Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité Qu'en pensez-vous? Spécial Halloween, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on tourne et c'est la journée de l'Halloween. Donc, oui, on va vous parler d'actualité, oui, on va l'analyser, mais on va sûrement faire deux, trois blagues pourraves sur l'Halloween. D'ailleurs, cette semaine, j'ai l'honneur d'être la personne qui est avec moi. C'est Joanie Riendo, mais déguisé en Jules Simard. Bonjour Jules, ça va bien? Ça va très bien. Ah, ben là, je l'avais pas vu venir. T'es surpris? Ah, toi, c'est ce que tu te déguises? Parce que là, toi, t'es... Oui, ben regarde, tu es mon visage habituel, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est là, toi, ton rôle de parent, il est un peu terminé. Ouais. Non, c'est jamais terminé, mais maintenant, c'est le rôle de grand-parent. Est-ce que, est-ce que vous allez passer la loi avec les petits? Ben là, ils sont supposés de venir cet après-midi à la maison, mais la semaine dernière, on en gardait deux, les la fille puis le garçon, mon garçon. Et à un moment donné, ma femme avait mis une décoration de fantôme à la maison sur le buffet. Avec la petite, sur l'heure du souper, elle dit, « Gars, grand-père, elle dit, la décoration d'Halloween, elle nous trouvait pas mal cheap d'avoir juste une décoration dans la maison. » Ça, c'est très drôle, c'est très drôle. Bon, mais revenons à notre petite actualité. On va commencer par le coin ici. On aime ça, on aime ça. On va commencer par ici, mais on va s'étaler un peu dans la région. Je veux qu'on parle d'élection municipale. On est là-dedans, ça s'en vient. Il y a quatre courses qui nous intéressent plus précisément dans la région. Commençons par Normandin, qui a une lutte avec deux personnes qui ont très intéressantes, en fait. Là. Comment ça se décline, cette lutte-là, en ce moment? On est un petit peu plus loin que j'ai déjà été proche de l'actualité. Non, mais en fait, c'est un conseiller qui, quand même, est là depuis plusieurs années et contre un homme d'affaires qui se présente aussi à Normandin. Donc, c'est une lutte où je pense que, oui, la personnalité des individus va peut-être davantage jouer que les idées ou les programmes de chacun. Je pense qu'ils ont des appuis dans chacun de leur côté et ça devra entrer en ligne de compte. Est-ce que... Ça va être serré? Je ne sais pas. Je pourrais pas te dire parce qu'on n'a pas de sondage. Non, il n'y a pas ça. Et quand tu ne vas pas sur le terrain en soi, tu as moins de feedback, excuse l'anglicisme. Donc, je ne sais pas si ça va être serré. À mon avis, oui. Mais seul le 7 novembre va nous le dire. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu as à Robertval aussi une lutte? Bon, M. Bergeron semble avoir beaucoup d'appui. On sait que M. Larouche a déjà été maire. Ça avait brassé quand même à son époque. Il avait un style plutôt, flamboyant. Oui. Est-ce que je ne sais pas jusqu'à quel point la candidature de M. Bergeron... Parce que, bon, M. Bergeron, depuis qu'il est à sa retraite de la commission scolaire, il applique sur à peu près n'importe quel type d'élection et sur ouais, n'importe... Ça y manque, la vie. Ça, je pense que ça doit miner, qu'on le veuille ou non, un peu la crédibilité de quelqu'un. Tu sais, je veux dire, peu importe où tu te plonges, l'avantage qu'il peut y avoir en se présentant à une élection... municipal, c'est que c'est... Y a pas de, comme on n'a pas de parti, donc il n'est pas lié avec ça et c'est peut-être plus ses qualités d'homme et de gestionnaire là, qui peuvent être mises de l'avant. Tout le monde reconnaît que c'était, comme directeur général de la commission scolaire de l'ex-commission scolaire du Pays des Bleuets, c'était quand même quelqu'un qui avait une très bonne crédibilité et un très bon jugement. Donc, c'était vraiment... Il a été considéré comme un très bon gestionnaire à l'écoute des tant des enseignants que des parents, que des besoins là, dans les milieux. Or, il est fort probablement, de par sa formation, quelqu'un là, qui peut... De l'autre côté, M. Larouche, tu sais, il a été battu. Ah, si, a été ça battu. Ça avait brassé beaucoup lors de son mandat. Oui. En fait, oui, de par son style. Oui, oui, exactement. Okay? De par son style. Pas nécessairement de par les éléments de débat ou les enjeux en soi.
Bon, il y en avait eu un, entre autres, avec Massé-Huech, quand il avait voulu... Oui, avec les conseillers municipaux dont Nancy Guillemette. Oui, exact, exact aussi. Il y a ces éléments-là qui, tu sais, quand tu as été battu une fois et puis que tu reviens, il y a du monde qui sont souvent de fois toujours considérés comme étant un bon deuxième. Est-ce que c'est ça qui va se passer chez... Je sais, pour avoir discuté avec un homme d'affaires de Roberval qui ne m'a pas dit pour qui il votait, mais qui m'a dit qu'il savait pour qui il voterait. Et on était au tout début de la campagne électorale à ce moment-là. D'après ce que j'ai pu voir, bon, ça n'était pas... Parce que M. Bergeron peut être considéré comme étant un parachuté. Mm-hmm. Ah, et ce n'est pas sa résidence principale, ouais, entre guillemets, elle n'est pas dans le secteur. Même s'il a vécu et même si il était dans ça, le secteur. Ça, tu penses que ça peut avoir un impact, oui, pour la population? Oui, je pense que ça peut avoir un impact. Okay. Je pense. Alors, est-ce que ça va être serré? Selon ce qu'on a entendu, M. Bergeron aurait une forme d'avance. Moi, c'est ce qui est venu à mes oreilles. Au niveau des appuis, en tout cas, là, ouais, dans ce qu'on entend là, du milieu des affaires, entre autres, c'est un peu... Parce qu'au niveau du programme, il y a quand même des éléments intéressants, je pense, qui sont amenés de par, en tout cas, certains types d'idées là, que j'ai entendues pour le secteur de Roberval qui peuvent être intéressantes. OK, déplaçons-nous maintenant à Alma. Quatre candidats. Il y a eu un super débat cette semaine. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Malheureusement que j'ai pas pu. Parce que c'était vraiment un débat d'idées, dans le respect. On n'était pas dans les attaques personnelles. On n'était pas dans descendre ou écœurer les autres à cause de leur position. On était vraiment dans la défense dans un argumentaire qu'on trouve. J'ai beaucoup aimé ce débat-là. Très intéressant. Moi, c'est la ville à côté de chez nous. Là, ouais, là, mon père habite. Donc, je suis ça aussi... On voit Mme Beaumont, M. Fradette qui ont l'air en avance. Maintenant, là, on n'a pas de sondage. Là, non, ça, c'est parce ça, qu'ils ont, on, c'est eux peut-être qu'on voit ou qu'on entend plus. J'adore, moi, Mme Girard, là, que je connais, qui est très impliquée aussi dans le domaine. Fait que, je sais pas, toi, tu n'as pas suivi. Je l'ai moins suivi, effectivement, à Alma. Il y a le phénomène, c'est la même affaire à Saguenay. Là. À Saguenay, ils sont 4 candidats. Tu sais... Ce que tu vas avoir, le vote, là, qu'on le veuille ou non, l'électorat, il se divise. Donc, on n'aura certainement pas quelqu'un qui va aller obtenir 50 % plus un des votes là, non, avec cet élément-là. Ça ne change rien en soi. C'est celui qui en a le plus ou c'est celle qui en a le plus qui est élu. Là. Par contre, ce phénomène-là a pour effet de voir que les appuis qu'un maire ou qu'une mairesse peut obtenir, ça se fait quand même, ça se calcule aussi en termes d'appui de l'électorat. Alors, si je suis élu avec 30 % de l'électorat, je suis élu avec 30 % de l'électorat. Le fait qu'il y ait 4 candidats, ça dénote fort probablement, premièrement, qu'il y avait du monde, qu'il y avait autre, qu'il y avait M. Asselin Part, peut-être. Mais ça permet de faire en sorte qu'on peut assister à une forme de changement, à tout le moins au niveau du ton. Ouais. Pour la municipalité. Je dis bravo pour la campagne qu'ils mènent. C'est très intéressant. Parce que la dernière campagne dont on va parler, c'est Saguenay, ou j'appellerais ça plutôt le psychodrame de la campagne électorale de Saguenay. J'aime vraiment pas le ton, au contraire, là que on est beaucoup dans justement dénigrer les autres. Déjà. On voit Mme Néron qui fait juste défendre son bilan. J'aimerais ça qu'elle nous propose des affaires. Les autres font juste attaquer le bilan. J'ai l'impression qu'on est... C'est pas une campagne très positive à Saguenay en ce moment. De par c'est la question de la personnalité. C'est sûr que tu as des partis, un parti politique, parce que l'autre... Mission Saguenay, qui est hyper intéressant comme parti, là, des belles valeurs, mais maintenant, c'est un nouveau parti, donc leur chance de remporter la mairie, est-ce qu'elles existent, je ne sais pas. Elles n'ont pas. Effectivement... premièrement, Mme Néron semblait quand même bénéficier d'une forme d'avance, même s'il y a 6 candidats. Mais là, on a eu un sondage qui est sorti, parce qu'à Saguenay, c'est assez gros pour qu'on ait des sondages. Et là, il y aurait moins d'un pour cent entre Julie Dufour et José Néron. Donc, ça risque d'être une de ces deux-là qui peut l'emporter. Mm-hmm. Je vais être méchant, là, mais je suis content qu'il y en ait un qui ne bénéficie pas de beaucoup d'appui. On ne nommera pas. On ne nommera pas. OK, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est en allé là.
alors que, en tout cas, son règne de député n'en a pas été plus que le besoin intéressant, à mon esprit. Mais en tout cas. À Saguenay, je pense que ça va être quand même intéressant de voir qui des deux femmes, effectivement, peut l'emporter. C'est quand même intéressant de voir que ça va être aussi une femme qui va rediriger, peu importe laquelle des deux, là, mais qui va rediriger parce qu'on a quand même la mairesse de... Ben, l'ex-mairesse de Saint-Fulgence, de Falardeau, qui est là aussi. Tu sais, il y a quand même beaucoup de candidatures féminines. Là, bien, sur 6, il y a 4 femmes. Là, fait c'est intéressant. On va suivre ça. Il y a peut-être aussi... c'est sûr qu'à Saint-Félicien, il y a 3 candidats aussi. Oui, à la mairie, à Saint-Félicien. À Saint-Félicien, il y a... dont 2 qui étaient du conseil sortant, le maire qui se représente, et Charvel Laprise, qui était conseiller depuis 4 ans, je pense. Okay. Oui. Les 4 dernières années, il était là. Mais je ne me souviens pas s'il était là. Mais en tout cas, les 4 dernières années, il était là. Et bon, j'ai entendu quand même certains types d'idées au niveau de ce que devrait être Saint-Félicien, le développement de Saint-Félicien, l'attractivité de Saint-Félicien. C'est compliqué pour Saint-Félicien entre Robertval et Dolbeau. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Bien, ça a surtout le fait qu'on a toujours voulu faire vendre un peu Normandais avec le centre de... Je ne veux pas reprendre ma discussion de la semaine dernière avec Joanie, là. Mais, tu sais, Saint-Félicien, ça a toujours été, même quand ça a été le temps de créer les MRC, bon, qui deviendrait le pôle? Robertval bénéficiait exclusivement d'une renommée de services publics, parce que tous les services publics qui se ramassaient pour le comté de Robertval, ça ramassait. Juste l'idée, comté Robertval, ça l'associe ça à la ville. Ça ramassait, bien, c'est un peu le débat là, qui se mène avec... Et donc, il y a toujours ce phénomène-là. Par contre, il ne faut pas oublier, puis ça, je le maintiens, là, parce que dans l'histoire politique moderne pour la municipalité de Saint-Félicien, qu'on le veuille ou non, la présence du cégep représente un atout. Il y a un des candidats qui veut la jouer, cette chose-là, qui est... Et je trouve ça bon parce que c'était peut-être un peu une idée de ce qu'il y en a, mais qui dit que c'est la prise qui amène l'idée de dire qu'on devrait travailler davantage avec le cégep de Saint-Félicien pour devenir, dans le cadre de l'innovation technologique, pas juste à cause des cours qui peuvent se donner, mais le simple fait que tu sois en relation avec les gens, donc de faire en sorte que Saint-Félicien devienne aussi une forme de, non seulement de pôle pour faire de la deuxième puis de la troisième transformation, c'est ma vie, je m'excuse, mais de faire en sorte que ça devienne une municipalité attrayante et attractive. Ils ont tout, là, parce qu'au niveau de l'environnement, ça va être un enjeu majeur. Oui, ben, ça l'est déjà, mais ça va s'intensifier. Puis là, ben, ils ont un bassin d'enseignants et d'étudiants qui travaillent en fonction de ça. C'est pas ça. Lui, ce qu'il voyait, c'est peut-être... Tu sais, je ne sais pas à quel point, à Saint-Félicien, on va voter pour cette idée-là, mais... ça représente pour moi une idée de développement qui serait très bonne pour ici aussi, là. Mais nous, on n'a pas de type. Mais. Porte-toi ça, hein. Ah, OK. Hey, je t'amène, moi, à l'hôpital. Oui. L'hôpital de Dolbeau, parce que Christian Laprise, nouveau directeur adjoint. Donc, on redétricote un peu la réforme Barrette en remettant des gestionnaires dans plus près du terrain. C'est ça que je comprends? Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Okay. C'est ce que j'ai cru qu'on voulait faire. La question, c'est, bon, on le nomme bien directeur adjoint. Donc, directeur adjoint, moi, tout ce qui m'importe de connaître, puis ça, je pense qu'on ne le connaît pas encore. C'est quoi le réel pouvoir qu'il va avoir? Oui, c'est ça. Est-ce que pour prendre sa décision, il est obligé d'appeler à Saguenay ou s'il y a une latitude tant budgétaire que pour prendre des décisions véritablement de gestion qui sont adaptées au milieu. Mm-hmm.
Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va se faire. Ben, je pense qu'au début, comme c'est nouveau, ça va jouer entre les deux. Là. Ça va tirer un peu. On va essayer de voir c'est quoi la meilleure formule au niveau du pouvoir. Tu penses, ou tu penses que c'est déjà décidé? Moi, je pense que c'est déjà décidé. OK. Donc, si c'est déjà décidé, ben, ça reste centralisé. C'est ça. En fait, ça va. Effectivement, le pouvoir décisionnel. Parce que le pouvoir décisionnel, il est intéressant dans la mesure où tu as les moyens de pouvoir mettre en application ta décision. Et le moyen, il est souvent de fois à caractère budgétaire. Mm-hmm. OK? Alors, s'il n'a pas de possibilité d'avoir une latitude budgétaire pour mettre en application une décision qui est peut-être qui est certainement de connivence avec le régional, mais qui est appliquée au milieu. Tu sais, je vais donner un exemple. On est en pénurie d'infirmières, il paraît. OK? Ouais. Puis ici à Dolbeau, on sait qu'il y a des services qui ferment parce qu'on n'a pas d'infirmières. Donc, quand on... Alors, ça, là, pour pouvoir faire ça, là, le nouveau gestionnaire, il faudrait qu'il se parte une campagne de recrutement qui est pour Dolbeau-Mistassini, ben oui. Et non pas pour toute la région. Est-ce qu'il va avoir une forme de latitude? Va-t-il y avoir. Ben, si tu te fais une campagne de recrutement, tu mets du monde qui va aller chercher du monde, qui va devoir se... Donc, tu as un ensemble. Est-ce qu'il a cette latitude-là de pouvoir... Tu sais, là, je pense que... S'il a cette latitude-là, ce genre de pouvoir-là, ben je dis oui, c'est une très bonne chose. C'est quand même une bonne chose. Ça reste une bonne chose parce que pour connaître Christian, c'est sûr que s'il est en place, ça risque d'être mieux que s'il n'est pas là. Ah ben oui, À l'évidence, la problématique, au moins une problématique de gestion de personnel, il y a quand même quelqu'un qui va être en mesure de dire, bon, ben voilà, oui, c'est véritablement ça qui est le problème. OK, c'est peut-être pas moi qui peux prendre la décision finale, mais je suis capable d'aller défendre le point à l'autre bout, alors qu'à l'autre bout, au moment où on se parle, on ne sait pas que c'est quoi le vrai problème. Ouais. Tu sais, il y a cet élément-là. C'est sûr que ça devrait entrer en ligne de compte. Ça ne représente pas la place où ils se prennent les décisions de savoir où est-ce que va l'argent et où est-ce que va le personnel et tout le kit. On n'est quand même pas représenté là-dessus. Oui, oui. C'est le vrai problème. Oui, je vais te parler d'un autre vrai problème. On a déterminé que dans la région, on est au-dessus de 50 % d'analphabètes fonctionnels. Donc, au niveau du lac Saint-Jean. Oui, au niveau du lac Saint-Jean. Là, j'explique c'est quoi être analphabète fonctionnel. C'est pas savoir lire. Les gens qui sont analphabètes fonctionnels sont capables de lire pharmacie, dépanneur, sont capables de lire un gros titre de journal. Mais un analphabète fonctionnel, c'est au niveau de la compréhension d'un texte moyennement complexe, donc il n'est pas capable de saisir les subtilités d'un texte. C'est quand même inquiétant, plus de 50 % des gens. Oui, oui. Penses-tu que ça aurait été différent si on avait eu un cégep à Dolbeau? Oui. Non, pas nécessairement, mais je pense que ça aurait permis effectivement d'avoir des gens qui sont capables. Je te dis pas qu'il n'y en a pas, là, OK? Mm-hmm. Mais plus de personnes qui sont en mesure de pouvoir... expliquer effectivement c'est quoi le mais est-ce que mais le problème, la problématique, il y a aussi le fait que l'utilisation, qu'on le veuille ou non, je sais bien que c'est encore une marotte, mais des médias sociaux, où est-ce que ça se fait sur la gueule, ça ne se fait pas toujours de façon excessivement bien réfléchie. Donc, le problème de communication, parce que c'est un problème de communication fondamentale. Oui, mais c'est un problème aussi d'éducation. Tu n'as pas l'impression... Moi, avant de tomber sur les réseaux sociaux, moi, j'ai l'impression que c'est la réalité socio-économique du secteur. Beaucoup de villes d'usines, beaucoup de travailleurs forestiers, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'avoir leur cégep pour pouvoir travailler puis avoir des très bons salaires. Puis je dénigre pas, là. Mais ça fait que peut-être qu'il y a certains outils qui ne sont pas allés chercher à l'école puis qui n'en ont pas réellement besoin dans la vie, mais on a tous besoin, je pense. Puis là, ça amène la problématique qu'après ça, comment on va s'exprimer sur les réseaux sociaux, comment on va comprendre l'actualité. Ça, c'est une affaire, mais j'ai l'impression que le type de région comme dans lesquelles on est amène ça. T'en penses quoi? Oui, j'embarque avec toi. C'est comme ça que... Tu sais, on disait... Je reviens à la question du cégep. En 1970, quand ça a été le temps de créer un cégep, ce qu'on amenait là, comme idée de base pour dire que ça en prendrait un aussi à Dolbeau-Mistassini, c'est ce que tu viens de dire.
c'était l'argument majeur en 1970 qui était invoqué. C'est très exactement ce que tu viens de dire. Pourquoi est-ce que c'est qu'il aurait fallu? Mais non, la décision, elle a été prise par le fait que ça devrait être plus centré. Ah, il y avait une différence exactement de 4 km entre Dolbeau, Mistassimit, Tachikop et Dolbeau, Biotte. Quoi qu'il en soit. Je ne reprendrai pas le débat, là, non, on l'a perdu. perdu, ça fait 50 ans. Oui, c'est ça. Mais il reste que ce phénomène-là, c'est très exactement l'argument qui était mis de l'avant. Donc, en 2021, 50 ans après, on discute encore avec la même problématique et le même esprit dans lequel je l'amène. Oui, on n'a pas besoin, peut-être, chez certaines places, d'avoir son secondaire 5. Écoute, j'ai travaillé sur à la compagnie Alba, OK, qui faisait de la brique. Ouais. OK? Et, en dernier, OK, le gestionnaire du temps demandait pour toute personne qui voulait venir travailler chez Alba, et c'était très physique là, comme travail, mais d'avoir son secondaire 5. Il l'exigeait d'avoir un secondaire 5 pour pouvoir être en mesure, oui, de venir. C'était pas en pénurie de main-d'œuvre dans ce temps-là? non, mais tu avais une pénurie de personnes qui avaient le secondaire 5 fini, par exemple. Oui, oui. Mais ça encourageait les gens peut-être à continuer pour pouvoir travailler. Bien, c'est ce que lui exigeait, il demandait, c'était de pouvoir avoir, effectivement. Mais ce que je veux dire, ramener là-dessus, c'est que, oui, le fait que les entreprises n'avaient pas besoin que la personne ait une... ça y prenait deux bons bras pour pouvoir être en mesure de faire le travail. Ça faisait en sorte que, on ne forçait pas nécessairement les gens. Alors, ça explique aussi. Mais il y a aussi le phénomène... En tout cas, aujourd'hui, là, quand même, on est quand même plus qui font toutes leurs secondaires le plus possible. On est plus que la montagne, tout le moins. Mais il reste que c'est après. Là, non, puis le décrochage est encore beaucoup plus présent chez les jeunes garçons que chez les jeunes filles. Oui, oui. On le voit, en tout cas. On va suivre ça, Mais c'est parce que c'est une problématique qui devient sociale dans la mesure où, oui, ça devient une problématique sociale importante. Absolument. Dans le milieu, et ça n'améliore pas les médias sociaux. Mais en tout cas, ceci est Non, non, non. Aérodrome Lac-Saint-Jean, on a des gros projets. Ben oui, hein, c'est 3 millions. Oui, c'était 2,8 ou 3,8. En tout cas, mettons 3 millions, là. Mais pour faire une nouvelle desserte, pour attirer des plus gros cargos. Intéressant, parce que c'est comme la phase 2, mais... Là, j'ai tout le temps le spectre de l'épouvantail où on a l'impression que c'est... T'sais, mais il y a déjà eu des vols. Moi, j'ai déjà pris l'avion, 5 méthodes jusqu'à... Ah, oui. On a eu il y a eu effectivement un service aérien qui se faisait... Mais tu penses-tu que ça peut marcher, que ça peut fonctionner? Ou on investit ça un peu pour avoir des outils, mais au bout du compte, ça va tout servir? Bon, il reste quand même... Tu sais, de plus en plus, le transport... de matière avec des camions. Actuellement, c'est la grosse mode. Hein? Mais peut-être que quand le gars, tu ne pourras plus avoir trop d'essence là, pour mettre dans ton camion, puis il va falloir que tu mettes un autre carburant pour être en mesure de le faire venir. Le transport aérien. Puis il ne faut pas oublier que le transport aérien aussi, puis c'était l'idée qui avait été mise de l'avant à un moment donné. Je pense que c'est dans les alentours. Ben, quand ils ont refait tous les travaux, là, dans les alentours 2014-2015, où on avait dit on va faire avec notre aéroport le relais pour le Nord. Oui, c'est ça. Or, dans ce contexte-là, oui, il faut que tu aies un équipement qui est autrement que ce que nous avons là, qui se doit d'être aussi plus moderne, parce que pour l'accès, pour la possibilité qu'on a dans ce secteur-là, là, c'est un peu l'idéal. OK, il n'y a pas beaucoup encore de résidences, puis il n'y en aura peut-être pas beaucoup. D'autre part, la façon de financer ce développement-là,
on l'a pas mal en vendant les bleuets. Mais non, ça, ça c'est génial, par exemple. C'est qu'on est capable de financer nos projets. On n'est pas tout le temps en train d'aller vouloir de l'argent d'ailleurs qui pourrait servir à d'autres choses. On en finance une grande partie. Donc ça, ça aussi, c'est très positif. Puis dans les types de programmes d'infrastructure qui sont mis de l'avant par les gouvernements supérieurs pour faire la relance économique, bien, ça fait partie de l'infrastructure majeure qui peut bénéficier aussi, qu'on le veuille ou non, de l'aide gouvernementale à ce niveau-là. Puis c'est un projet qui peut être porteur dans la mesure où il va y avoir des changements au niveau du transport et on est peut-être mieux de s'organiser le plus rapidement possible pour pouvoir en bénéficier puis de faire en sorte. Tu sais, il veut dire, le jour, je le sais moi aussi pour l'avoir pris, une heure après, tu étais à Montréal. Ah oui. Hein? C'est sûr que là, tu te ramassais avec... tu n'avais pas ton auto. En plus, tu n'avais même pas besoin d'aller trouver une place de stationnement. Puis ça, hein, juste ça, tu perdras 2 heures dans la journée. Mais le fait d'être là une heure, puis de revenir peut-être dans la même journée, ou des, tu sais, c'est des avantages là, qui sont... Bon, sauf que, bon, c'est pas tout le monde. Puis le prix de l'avion, bien, c'est le prix de l'avion aussi. Là. Le prix de l'avion... Oui, c'est ça. Là, on le sait, ça c'est en train de changer un peu. On essaie d'adapter, mais ça, c'est complètement débile, en fait, que prendre l'avion d'ici jusqu'à Montréal, ça coûte deux fois plus cher que de faire Montréal-Paris. Oui, puis d'y aller en auto surtout. Oui, c'est moins long, par exemple. Ah oui, ça restera toujours ça. OK, fan d'information, tu as travaillé longtemps pour des hebdos locaux. Le retour du réveil, as-tu vu ça? À Jonquière. Ouais, on a racheté le nom. Triumvirat, Triumvirat. Ils vont leur lancer ça. Relance. Puis ce que j'aimais de leur discours, c'est qu'ils disent, nous, on fait pas de la nouvelle nationale. On fait même pas de la nouvelle régionale. On fait de la nouvelle extra-locale. Donc, on est sur le terrain. Un peu ce qu'on tente de faire ici, nous. Je trouve que c'est important parce que si on se fie juste aux grands médias, bien, la nouvelle locale, on n'entend pas souvent parler. Non, et il faut qu'elle ait une incidence régionale, ta nouvelle, pour pouvoir être en mesure de... Que ce soit un drame humain encore là, c'est ça là, qui peut entrer en ligne de... Non, c'est bien qu'on tente de redonner. Ouais, parce que là, il n'y en a plus, il y en a eu deux. Hein. Ouais. Il y a eu le réveil et... justement par Trium Media là, qui était dans le temps, mais il y a eu le fait qu'on remette de l'avant. Mais, tu sais, actuellement, les deux dernières années, sur les médias locaux, que sont l'Étoile du Lac, ce qui a permis aussi à ces deux médias-là de pouvoir encore être présents et de grandir, c'est la COVID et la publicité de la COVID. Quand là, le gouvernement s'est embarqué, écoute, tu n'as pas une semaine où tu n'as pas une page de publicité honnêtement, là, je ne suis pas dans le secret financier de tous les médias, mais ce qui s'en vient, puis ben, la publicité gouvernementale, là, ton tarif, là, c'est pas celui-là du dépanneur du coin qui annonce. OK? Donc, le simple fait que tu aies toujours deux, puis des fois, tu as eu trois pages. Ces trois pages-là permettaient fort probablement de payer tous les frais du journal pour la semaine. Donc, toute ta publicité locale que tu allais chercher devenait un peu du grévy. Je te dis ça comme ça pour juste te dire que l'importance de la COVID au cours des deux dernières années sur les médias locaux, oui, ça l'a assuré, parce que avant la COVID, on en était encore à se demander de quelle façon on va pouvoir être capable de maintenir, parce que la publicité, les publicitaires locaux délaissaient au profit de Facebook. Et ce phénomène-là est encore là. J'espère tout simplement que oui, pour le réveil, c'est une très bonne initiative. Et le fait de parler de soi... Tu sais, l'année dernière, c'était le 50e anniversaire de la télévision locale à Dolbeau et on m'avait demandé bon, un peu les commentaires là-dessus. Et ce que je disais, c'est qu'on a besoin d'un média qui nous parle de nous pour nous dire ce que nous sommes et comment est-ce qu'on le fait. Oui. Et on a besoin de ça pour être capable de réfléchir puis pour être capable
D'être informé sur ce qui se passe chez vous. Oui, t'sais. Oui. T'sais, je veux dire, et il y a même le human interest est quand même le fun aussi localement. Ben, et c'est là, tu sais, une réussite d'un individu. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de suivre Marie Besson. Oui. Qui était, qui malheureusement, ben, le fait qu'on pouvait suivre Marie, qu'on pouvait voir comment est-ce qu'elle grandissait, et dans son sport, ben moi, je pense que les gens appréciaient ça. Et elle aussi, fort probablement, elle devait se sentir un peu encouragée par le local qui voyait une... Alors, ces réussites-là, c'est important qu'on puisse être capable de les souligner. Et ça, c'est pas le média local, régional ou même national. Quand la nouvelle nationale, c'est de faire en sorte qu'à l'UQAC, OK, ouais, mais ça a fait de la nationale, ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, on décide de c'est pas ça. Le vrai. Mais j'ai écouté l'entrevue du jeune là-dessus, puis j'écoutais ce qu'il disait. Ça, c'était l'information réelle et non pas le point ce qui en est. Allez, je t'arrête là-dessus. On va revenir avec d'autres nouvelles, mais avant, on prend une petite pause parce qu'on aime ça, nous, prendre des petites pauses. On revient tout de suite après. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à mon Francis. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée, maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. Ici, on travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. Les filles, je vous adore. Hein? Vous êtes vraiment là, toute ma vie. Mais là, je dois vous avouer que ce qui est important pour moi, là, présentement, c'est le développement résidentiel. Ben oui, mais Simon, je comprends, mais il y a aussi les pompiers, le traitement des eaux, la piste cyclable, le déneigement, la bibliothèque, le jardin communautaire. Et les permis de construction. Parce que les services municipaux sont au cœur de notre quotidien. Aux élections municipales, allons voter. Je t'aime, Vincent. Je pense toujours à toi, puis sincèrement, je pense qu'on a plein de points en commun. Mais il y a des choses tellement plus importantes que toi présentement dans ma vie, comme la voirie. OK, mais il y a aussi... Les espaces verts. Le recyclage.
le terrain de pétanque, le nettoyage des rues, les taxes municipales, le parc à chien, puis le transport en commun. Parce que les services municipaux sont au cœur de notre quotidien. Aux élections municipales, allons voter. On est de retour et on continue dans cette belle journée d'Halloween. D'ailleurs, parlons de ça. Il y a eu quelques... Halloween, tu sais, c'est supposé être une fête du plaisir, des bonbons, des enfants heureux. Mais il y a quelques controverses, puis je veux en souligner deux. Je veux avoir ton avis. Premièrement, on a tout ce qui est en lien avec la fête d'Halloween à Lucac, t'en as parlé tantôt, où on voulait faire une espèce d'hommage à la fête des morts mexicaines, mais on l'a annulé parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents, qui disaient c'est de l'appropriation culturelle. Je veux avoir ton opinion là-dessus. Et l'autre côté aussi, c'est les écoles qui bannissent certains costumes. Ils disent, bon, t'as pas le droit de te déguiser comme ça, mais tu peux te déguiser comme ça. Je veux ton avis là-dessus. Moi, je te donnerai la mienne aussi en fonction de la tienne. Pour la première, je pense que ça commence à s'inscrire dans tout le débat moderne de la question des genres, la question des... ça s'inscrit dans tout ça. Ouais. Et on n'est plus capable maintenant de faire une action parce que, je sais que je me ferai pas aimer, là. Mais si je parle trop fort à mon épouse, je deviens un agresseur sexuel aujourd'hui parce que, l'agression sexuelle, on sait qu'est-ce qu'il y a. C'est l'agression psychologique, Or, on décide de faire un thème sur une émission, sur une fête, oui. Et on décide de la faire. Là, ah non, vous ne pouvez pas faire ça, là, c'est... On fait une appropriation culturelle. Donc, c'est pas nous, ça. Mm. On n'a plus le droit. J'ai plus le droit de faire... C'est touché, puis les lignes ne sont pas claires non plus. Parce que dans un... on est un peu dans la rectitude politique, mais il y a une réalité. Ouais. Là. Moi, quand j'habitais en France, puis à un moment donné, j'étais allé dans une fête du Québec, là, et puis je peux te jurer là, que... Je suis sorti de là en disant « Arc, c'est pas comme ça que j'ai le goût qu'on dépeigne mon Québec. » Parce que c'était plein de préjugés, parce que c'était dans la perception que les gens avaient. Fait qu'à un moment donné, je suis capable de comprendre. Mais, moi, je fais « bon, mais c'est beau », mais je suis qui, moi, pour décider comment que ça peut me toucher? Maintenant, c'est vrai qu'avant, on faisait des affaires, il y a toujours des mécontents. On disait « ben là, vis avec ». Aujourd'hui, bien, ces gens-là ont des recours, ils peuvent lever la main. Ça devient difficile, hein? Même moi, dans mes classes, de dire que je dois ça devient même, de ça. C'est pas que ça devient facile de faire de la critique pour faire de la critique ou encore de faire en sorte qu'une un élément... Oui, mais quand tu dis ça, je suis d'accord avec toi, mais comment on sait que la personne a fait une critique, ou que ça vient vraiment la chercher parce qu'elle vit des affaires? Moi, on est là, on regarde ça de l'extérieur, puis on juge, mais jamais personne n'est allé demander aux gens... À qui ça cause problème? Pourquoi ça cause problème? C'est là que j'ai un problème, moi. On a juste une version des affaires, et là, le monde sort. Ça n'a pas de sens, On peut-tu prendre le temps juste d'écouter? Hein? Parce qu'on se rappellera que les Premières Nations, là, on a dit ça longtemps. Mais quand là, on a commencé à déterrer les enfants des pensionnats, là, le monde a fait « Ah ouais, mais là, attends. Ah, on va prendre le temps de les écouter. Peut-être que ça va changer la donne. » Je dis pas que ça se compare, mais je dis que moment donné, moi, je l'inscris dans le même titre de discours. L'inscris ça dans le même titre de... On en est rendu à faire en sorte que, oui, des considérations historiques, des décisions à caractère historique qui ont été prises viennent maintenant nous rechercher aujourd'hui, alors que on y était pas, là. On l'a subi. Je ne vais pas là jusqu'à faire comme M. Chrétien a fait. Quand je dis ça. On a vu que c'était un homme de son époque. Hein? Ouais. Mm. Et non seulement ça, il n'était pas au courant. D'un commandite, là, il n'était pas au courant non plus. Tu te souviens, il m'a amené sa balle. Quand tu es un dirigeant qui est au courant de rien, ça me fait penser à Gérald Tremblay, ça. Oui, tu sais. Pas au courant de rien, mais pourquoi tu es là, toi? Oui, comment ça se fait que tu étais là? On porte aujourd'hui le chapeau sur des décisions qui ont fait. Et cette chose, je te dis pas que. Banal, la fête d'Halloween, là. Mais ça démontre qu'il y a un malaise, puis il faut trouver comment naviguer à travers ça. Puis quand tu es organisateur, ou comme moi, comme enseignant, quand je trouve ces sujets-là, j'ai tout le temps la crainte qu'à un moment donné, que quelqu'un ne le perçoive pas comme je veux. Sauf qu'au moment où moi, je donne un cours, je peux décider comment je le donne, mais je ne peux pas décider comment les gens vont le recevoir, puis c'est quoi leur vécu. Mais là, ça devient compliqué. Puis moi, je ne veux pas donner raison à un ou à l'autre. Je dis juste, on peut-tu s'écouter et essayer d'avoir un cadre
peut-être plus précis. T'sais. Mais c'est un peu comme le débat du mot qu'il ne faut pas dire. Oui, oui, exactement. Tout ça, c'est dans cette mouvance-là. Et jusqu'à quel point est-ce que ça fait avancer ou régresser notre société? Ouais. Moi, c'est toujours là-dessus. Mais t'as raison, parce que j'ai l'impression que les gens, encore comme d'habitude, ils vont se polariser. Je pose ouais, compte, en place juste de prendre le temps d'analyser puis d'écouter, moi, en tout cas, c'est mon mot d'ordre maintenant, parce que souvent, j'ai une première opinion où je fais comme tout le monde. Là. Ben oui, mais moi, c'est qui ça? Après ça, tu te commences à chercher, à fouiller, à faire tes recherches, à écouter ce que les gens vont dire, puis tu fais « OK, c'est pas si simple que ça. » Je t'ai un peu tanné des solutions simplistes, oui. Parce que les problèmes, ils sont un peu plus complexes. Et ils ne sont jamais noirs ou blancs. Exactement. Ils sont souvent gris. Et le gris te demande de regarder si c'est un gris pâle ou un gris foncé. Ah oui, puis de se montrer plus intelligent que le gris. Tu sais, moi, c'est ça. Costume d'Halloween, c'est quoi ton opinion? Là, je trouve qu'on pousse. Mais moi je vais te donner mon opinion. Moi, je le comprends un peu, là, l'argumentaire de pourquoi on fait ça. Mais ce que je trouve anormal, c'est... Moi, je laisserais les enfants se déguiser comme ils veulent. Mais quand une série 18 ans et plus, je comprends pas comment un enfant de 7 ans a le goût de se déguiser en quelque chose qui est pas supposé d'avoir vu. Donc, il l'a vu. C'est d'ablaine. Là, je remets en question les parents. Tu sais, je veux dire, c'est considéré 18 ans et plus. Je peux comprendre qu'à 15-16 ans, tu leur permets d'écouter. Mais à 7-8 ans, il y a quelque chose pour moi qui marche pas. Là. Mais en tout cas, c'est mon avis personnel. Il y a le phénomène, si on écoutait, le ministre de l'Éducation a répondu que il appartient au choix des enfants de faire leur costume. Le choix des enfants. Le choix des enfants, là, des costumes, là, ben moi, peut-être on est mal fait chez nous. Mais d'après ce que je vois, c'est les parents là, qui décident. Hey, écoute, tu vas être bien pirate, mon petit garçon, on est fait en Halloween. Hey, il a fait quoi, là, lui, là, comme choix là, de son costume? Il l'a fait en fonction de ce que les parents avaient comme argent pour y payer un costume. Ce qu'il y avait déjà chez eux. Là. Moi, je récupère les costumes de mes plus vieux et mes plus petits. Ben, c'est là. Exactement ça qu'on fait, nous aussi, à maison. Je veux dire, ma mère avait fait des costumes de chiens pour les, mes enfants. Puis les petits-enfants les portent encore. C'est ça. Non, mais non. Ça, là, on est rendu que... Mais... J'aurais le goût de répondre. Les médias d'information, là, on n'a rien à dire. Hein? Mais des fois, je trouve ça, on monte les trucs en épingle. Ah ouais, on fait de la lumière, les gardiens. Mais non, puis rapidement, ça devient ben ouais. Le ministre qui donne son opinion. Exact. Puis exact. Puis le chef d'opposition qui ne l'est pas. Tu sais, c'est comme la sortie de Plamondon là, là, écoute, pour vrai, là, c'est... Il n'y a pas de PPP. Là. J'ai pas beaucoup... Je disais, il faut écouter les gens, mais j'ai pas beaucoup d'oreilles pour ce personnage. Nouveau cabinet, Justin Trudeau, 6 semaines après l'élection, a finalement annoncé son cabinet. Je comprends pas pourquoi ça a été aussi long. Ben, il y a une semaine où la gouverneure générale était à l'extérieur, ça, je le comprends, mais pour le reste, c'était donc bien pressant d'avoir des élections, puis à go, on peut prendre 6 semaines avant de décider qui va faire quoi. Il a au moins réfléchi au fait, m'en vas-tu tout de suite, ben m'en vas plus tard. M'en vas plus tard. Non, je suis sûr que ça leur rentre en ligne de compte. Bien, possiblement. Bon, t'en penses quoi de ce nouveau cabinet? Moi, si tu veux que je fasse une petite prémisse, oui, je trouve intéressant parce que son dernier cabinet, oui, on est arrivé avec la parité, mais on voyait que c'était tout le temps des gars qui avaient des plus gros ministères que les femmes, à l'exception peut-être de Chrystia Freeland. Là, je trouvais qu'il y a une vraie parité. Je suis et j'applaudis parce que ça fait longtemps que je le dis que ça prendrait une femme à la tête du ministère de la Défense pour changer un peu la culture. Même ça prendrait une femme à la tête de l'armée, il faudrait arrêter de niaiser. Des belles promotions pour Stephen Guilbeault, pour Mélanie Joly. Le Québec bien représenté, t'en penses quoi? Ouais, là, t'es en train de donner mon opinion. Là. Non, mais c'est vrai, je connais, mon jeu. Non, il y a un élément. Il y a un élément. Effectivement, bon, la parité, à tout le moins, ça fait deux ministères. Et on essaye de respecter ça aussi maintenant. Là. Bon, dans ça, je pense que c'est en train peu importe, là, je discute pas sur la pertinence ou non d'avoir mis une femme à telle place ou telle autre place. Le fait qu'on ait à tout le moins une forme de parité dans un conseil des ministres, bon, ça permet au moins de faire en sorte que les idées et les façons de voir sont partagées et peut-être que nos décisions sont peut-être plus applicables à l'ensemble de la collectivité qu'avec une partie de la collectivité. Ça, c'est un premier point.
intéressant. Le fait qu'on ait mis à la Mélanie Joly aux relations internationales, que ça soit une femme, mais le fait qu'on ait changé le ministre qu'il y avait là, ça, c'est une bonne affaire. Puis qu'on y ait montré que la porte était là, c'est encore meilleur. Mais parce qu'il n'a rien fait. Et il regarde là, actuellement tout le débat entourant ce qu'on a fait avec nos amis en Afghanistan, qu'on a laissé en arrière, la Chine, où est-ce qu'il n'y a absolument rien de réglé, puis tout le kit. J'ose espérer qu'elle a fort probablement, à tout le moins, deux gros dossiers sur lesquels il va falloir... Deux, puis trois, puis quatre. Oui, oui, c'est ça. Parce que là, j'ai la COP 26, là, fait que c'est pas fini, ouais, les relations. Oui, puis j'écoutais aussi qu'on n'en a plus de politique étrangère. Au Canada, on ne sait plus. On en a une? On n'en a pas. On attend ce qui se passe. On attend de voir ce que les États-Unis vont faire, puis on est d'accord. Moi, la comparaison que je fais, là, c'est que les États-Unis, c'est Batman, puis le Canada, c'est Robin. Non, mais c'est pour ça qu'on est au G7. Là. C'est pas parce qu'on est un pays important diplomatiquement dans le monde. Là. C'est parce qu'on donne une voix de plus aux États-Unis. Il faut se dire les vraies affaires. Là. Et ça permet de faire en sorte que... ça, je trouve ça quand même, qu'on a eu ce changement-là à ce niveau-là. À l'armée, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va régler le problème d'avoir mis une femme. C'est très bien qu'il y ait une femme comme ministre, OK? Mais je ne sais pas jusqu'à quel... Puis j'écoutais l'ex-commandant. Ouais. J'écoutais l'ex-commandant ici de la base de Bagotville qui est maintenant sa retraite et qui disait, vous savez, le gros problème, là, c'est un changement de culture. Mm-hmm. Un changement de culture, là. Ça se fera pas dans 6 mois ou dans 2 ans. Non, ça se fait pas de l'extérieur, ça se fait de l'intérieur. Or, il y a Mais si déjà on pouvait amener les soldats qui sont accusés dans des tribunaux, pas les tribunaux de l'armée, mais les vrais tribunaux canadiens, je pense que ça changerait déjà pas mal la donne. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont la protection, effectivement, du tribunal militaire. Et fort probablement qu'ils vont peut-être... t'as quand même légalement cette possibilité-là et tu peux pas aller... T'es un peu comme l'immunité diplomatique. Mm-hmm. Pas diplomatique, mais l'immunité parlementaire. Ouais. Là. Où est-ce que tu... si tu décides de pas te faire vacciner, c'est pas grave, tu peux quand même aller siéger, là, même si t'as obligé les fonctionnaires à te faire vacciner. Mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Mais ceci étant dit, je pense que le fait qu'on ait... C'est un signal, à tout le moins... intéressant de pouvoir faire en sorte que au niveau de l'armée, on puisse avoir une femme qui va tenter certainement ou de régler ou de faire cesser. Ça va être peut-être plus difficile, une sensibilité mais au moins de pouvoir... l'information venait à ses oreilles puis elle sortait par l'eau. Ouais. Tandis que là, on ose espérer que quand elle va venir... à ses oreilles, l'information qu'il va avoir une action qui peut peut-être se mener. Ça, c'est bon. L'environnement, parce que... Il est beau avec l'environnement. Non, mais c'est parce que je vois deux affaires. Ouais. C'est que, bon, à cause de son passé militant, les gens croient, un peu comme Nicolas Hulot en France, croient qu'il va être capable de faire quelque chose. La machine, ça va être plus compliqué que ça. Pour certains, c'est positif parce que c'est quelqu'un qui a milité pour l'environnement. Mais d'un autre côté, tu écoutes ce qui se passe dans l'Ouest, puis déjà, il le dépeigne comme un extrémiste de l'environnement. Ouais. Fait que ça, c'est son passé militant qui fait ça aussi. Donc, c'est un couteau à deux tranchants, là, M. Guilbeault, dans lequel... Est-ce qu'il ne fera pas comme celui de France, être obligé de démissionner? Parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas capable de rien faire. Sais-tu qu'est-ce que ça m'envoie, Piche, comme signal? Là, Justin Trudeau, là, il a décidé que ses amis qui l'ont mis au pouvoir, c'est-à-dire tous les gens qui ont de l'argent dans ce Québec, dans ce Canada, pardon, il a décidé de les mettre de côté parce que lui, il s'en va. Mmh. Alors, comme il s'en va, il dit, garde, une des meilleures affaires pour leur montrer que je veux plus y suivre, je vais lui mettre un environnementaliste à l'environnement, puis il essaieront de s'arranger. Il a donné, Justin Trudeau vient de lâcher ses amis en disant, je mets un environnementaliste. Et il s'est mis... Il l'a déjà, là, le X là, de l'Ouest canadien, là. Oui, oui, okay? Ça change rien. Ben, c'est ça. Là, il vient de l'amplifier. Tiens, ouais, point à l'aller. L'Ouest canadien, à un moment donné, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Ils vont être confrontés avec les changements climatiques, avec la... Tu sais, ils vont être confrontés à ça aussi, là. Ils sont...
C'est un vieux de 68 ans qui ne veut plus rien changer, là. Tu sais, c'est ça. C'est ça qui se passe. Ils ne voient pas la... Les autres, ils ne craignent pas à ça, là. Qu'en 1950, en 2050, on n'a plus le droit d'avoir de véhicule à gaz. Mm-hmm. C'est, les autres, ils ne craignent pas à ça, là. Alors, ils pensent qu'ils vont prendre le pouvoir pour être capables d'argent. Oui, mais ça va arriver avant 2050, tu vas voir. Oui, mais là, on en est là. Avec eux autres. Moi, la nomination de Guilbeault à l'environnement, c'est la confirmation du départ de Justin Trudeau. Non, mais tu n'avais annoncé ça, mais là, lui, il a l'air de dire que ça... Ah, ouais. Écoute, on le voit, là. Ouais. Avec le type de décision qu'il prend à ce niveau-là. Il a gardé Madame... c'est bien, parce que ça fait, je pense, une job honnête, là. Comme vice-première ministre et comme ministre des Finances. Elle est solide. Dans les négociations avec Donald aux États-Unis, puis la renégociation de l'ALENA, faut y donner, là, c'est une femme solide. Oui, et donc ça permet de faire en sorte que je ne sais pas jusqu'à quel point ça va nous amener de gros changements dans les politiques, mais assurément un changement à la tête du pays. Mais là, ouais. Mais là, t'en parlais, tu sais, du Parti conservateur de l'Ouest canadien, etc. Mais là, ça va pas bien parce que la chicane est prête à l'intérieur du parti. On a l'impression de revivre là, ce qui s'est passé après 93, après la chute de Mulroney, où là, le conservatisme social va se séparer parce que tous ceux, là, Québec, les Maritimes, Ontario, supportent Erwin O'Toole, puis dans l'Ouest, ça grince parce qu'on veut pas. Le fait de la vaccination obligatoire qu'ils veulent pas, tu sais, qu'il y en a quand même une trentaine qui veulent pas dire, plus qu'une trentaine, une quarantaine qui veulent pas dire s'ils sont vaccinés ou pas. Donc, quand tu veux pas le dire, c'est pas grave. On a sorti le chiffre. Il y en a 79 sur 119 qui ont confirmé qu'ils étaient doublement vaccinés. Fait que les autres, on le sait pas. Fait que ça reste quand même. Mais là, qu'est-ce qu'il fait, le chef? Il dit-tu, ben là, on oblige ou là, tu sais, il est pris là-dedans parce qu'il est, il a deux ailes, hein, en fait penser au Parti québécois. Tu sais, il y a la chicane interne, là. Le grenouillage, j'ai hâte de voir là, comment ça va. Ben là, il y a, dans la décision de cette semaine, là, ceux-là qui ne seront pas vaccinés comme il faut, ils n'iront pas suivre. Mmh. Fait que, c'est pour ça que je te demandais jusqu'à quel point on le sait le chiffre. Et avait un commentateur de la scène à Ottawa qui disait hier soir qu'on va le savoir, là, le vrai nombre, là, parce que ceux-là qui ne viendront pas en chambre. Ben non, c'est exactement. C'est ça. C'est là qu'ils s'inquiètent. Il y en a peut-être qui hésitaient, puis là, ils vont se faire vacciner pour voir s'ils aient, là, on ne le saura pas, là. À un moment, ben, au moins, ils vont se faire vacciner. Ouais. Non, mais c'est intense, là. C'est des gros débats. Hey, je veux finir avec une dernière nouvelle. Aujourd'hui, un moment qu'on attend depuis plus d'une dizaine d'années, la Cour suprême va trancher dans le débat qui entre Mike Ward, liberté d'expression, et Jérémy Gabriel, dignité humaine. Deux valeurs importantes reconnues par la Charte des droits et libertés. Moi, je vous rappelle, là, c'est pas un combat entre Jérémy Gabriel et Mark Ward, c'est pas qui est le meilleur ou le plus gentil. C'est un débat de valeur, puis la Cour suprême, elle doit trancher. Elle est où la limite entre les deux? Parce que quand on s'exprime, on va être pour la liberté d'expression, mais quand on subit les ires de quelqu'un, on va être pour la défense de son intégrité. T'sais. Donc, elle est où la limite? Et la nouvelle vient de sortir, la Cour suprême, dans une décision mitigée, donc pas unanime, donne raison à Mike Ward qui n'aurait pas enfreint la Charte des droits et libertés. Donc, là, j'ai pas plus de détails. La nouvelle a sorti il y a 5 minutes. Fait que on est là-dedans, là. Tes premières impressions? C'est sûr que la liberté de l'un s'arrête lorsque la liberté de l'autre commence. Ça, c'était le bon vieux principe là, qu'on nous montrait dans le bon temps. Les deux éléments, la façon dont tu amènes le débat, ça permet de faire en sorte que ça nous on regarde effectivement c'est plus gris entre que c'est quoi, blanc, c'est ça, oui. Et d'être en mesure de se prendre. Bien, je suis un peu content de voir que la liberté d'expression, elle a une importance dans nos sociétés parce qu'elle nous permet de faire en sorte que, oui, nous puissions soit dénoncer, soit amener des éléments. Ouais. Et ça, tant que c'est au niveau des idées, effectivement, c'est là. Le débat qui était là, c'est que c'était pas juste une idée.
C'était, oui, de l'humour, mais de l'humour au détriment de quelqu'un. Il y a eu, un moment donné, avec un des humoristes québécois, Yvon Deschamps a déjà eu une problématique avec un monologue sur les personnes handicapées aussi. Mm. OK? Il n'est pas allé... C'est un autre époque. Il est pas, exact, mais il n'est pas allé aussi mm. loin que Mike Ward, semblerait-il, était allé. Mais ça fait en sorte que le débat, oui, là, la Cour suprême vient de trancher, mais le débat dans notre société, on va toujours se sentir, celui-là ou celle qui va avoir été la victime de ça, va toujours un peu mais se sentir. Mais c'est la sensibilité, c'est l'écoute. Rappelle-toi quand Jean-Marc Parent a fait son numéro là, de la personne en chaise roulante, là, tout le monde applaudissait en disant « Wow! » parce qu'il nous faisait comprendre la réalité plutôt que mais en nous faisant rire, plutôt que de rire de la réalité de la personne. C'est cette sensibilité-là, en fait, qui manquait, j'ai l'impression, dans tout ce débat-là. Fort probable. Il reste que, tu sais, la Cour suprême est partagée. Est partagée, mais sauf que la Cour suprême, c'est le dernier tribunal. Mais je pense aussi que dans la société, on l'est encore. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont personnalisé le débat avec les deux personnalités. Oui, ça, c'est... Puis ça, c'est un peu idiot, tu sais, dans le sens où c'est... Là, on parle de valeurs, puis les deux valeurs sont importantes. C'est pas les personnalités, c'est les valeurs qu'on veut défendre. Je suis content, moi, que ça soit allé jusqu'en Cour suprême, parce que des fois, on a besoin... C'est ça qui ça sert aussi, la Cour suprême, c'est d'interpréter notre Constitution puis de savoir elle est où, la limite. Puis on en a besoin, puis je suis plutôt satisfait qu'il ait pris la cause. Oui, qu'il l'ait entendu et qu'il ait... Il faut savoir, dans le fonctionnement de la Cour suprême, tu peux pas aller à la Cour suprême. Tu demandes à la Cour suprême, et c'est la Cour suprême qui décide si elle va accepter de t'écouter ou pas. À tout le moins, mais regarde, la société... je maintiens que si la Cour suprême était partagée, dans la société, on demeure encore là, partagé. Et la personne qui est victime va toujours se sentir lésée, mais, ou encore, elle a le choix d'en rire elle aussi. Là. Mais rire de soi, c'est toujours plus difficile que de faire rire de soi. Ah, moi, j'ai pas d'orgueil. Ouais. Sauf, je trouve ça plus simple quand de rire de moi que de rire des autres. Hey, merci Jules, encore très éclairant. Tu peux enlever ton costume. Okay. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On vous souhaite plein de chocolat, plein de bonbons. Belle Halloween, bonne semaine. Puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine.